est longue, je dors éveillé. Des lumières sombres éclairent les sons des rêves oubliés. Au loin tu m'appelles, les mots se répètent lentement. Oh, la voix des sirènes. Fabrice Kinoal, numéro 3 dans le Grand Prix Victoria Park, je suppose que ça c'est une bonne nouvelle. Oui, une bonne nouvelle, numéro 3, le cheval est bien. Il a fait une bonne rentrée l'autre jour avec Michel Wallenguin. Il n'a pas démérité, il a manqué les 100 derniers mètres, mais bon, le cheval était remonté là-dessus. Il a bien retravaillé lundi, le cheval était vraiment bien en travail. Maintenant, voilà, un bon numéro, une piste plate qui est faite pour l'arranger. Il devrait bien courir. Il y a des sérieux clients par rapport à l'année dernière, c'est beaucoup plus relevé. Donc, s'il est dans les trois premiers, je pense que ça sera bien. C'est le tenant du titre, tu parles de l'opposition, à qui tu penses en particulier ? Il y a deux, trois chevaux, il y a Rêve de Bélève, Soléa Rivolière, Rue de Leroux, Severino. Donc voilà, c'est plus relevé que l'année dernière. L'année dernière, il y avait un ou deux clients, là, il y en a 4-5, quoi. Donc voilà, pour avoir un bon parcours et puis pas faire trop le fou, parce que Volvega, c'est sélectif. Hein. On a l'impression comme ça que c'est une piste plate, mais il faut tenir. Hein. Quand on est en tête entre les droites, on n'a pas gagné. Donc pas faire n'importe quoi, c'est une piste sélective. Donc voilà. Il devrait bien courir, mais bon, maintenant il peut manquer d'un petit truc. Encore je tombe, la chute est longue, je dors éveillé. Des lumières sombres éclairent les sons. Des rêves oubliés. Au loin tu m'appelles, les mots se répètent lentement. Oh, la voix des sirènes m'attire et m'entraîne vers le fond. Sébastien, le 6 avec Rêve de Bélève, c'est un bon numéro? Ben, c'est moins bien que le 5, mieux que le 7, hein, on va dire ça comme ça. Puis le 6, oh, il démarre pas trop mal, ils en mettent 8 devant je crois là-bas, donc 6 c'est bien. La dernière fois en gain, ça s'est pas trop bien passé? Non, parce que je pense qu'il aurait pu être deuxième, je pense, peut-être même au bon moment. Mathieu m'a dit que s'il a le jour au bon moment, peut-être qu'il aurait peut-être même pu gagner, donc voilà. Mais c'est un cheval, il répète pas trop ses courses, des fois il fait des belles courses comme ça, puis des fois c'est un peu moins bien, donc faut voir quoi. Mais c'est un cheval qui est en forme en principe. Qu'est-ce qui t'a incité à aller à Volvega? Bah, il y a moins d'opposition, on va dire. Et puis, il aime bien la piste plate, et puis l'été, il est bien, donc on insiste. L'opposition, je suppose que tu as regardé, avant le coup, c'est quand même une première chance, Rêve. Première chance, oui. Avec une Adjère, ça bat, peut-être, et puis deux, trois chevaux comme ça, mais je pense qu'il a bon parcours, il va pas être loin. Ouais, mais... Eric, je n'ai pas voulu le mettre mal, j'ai joué pas. Gabi, tu seras le driver de Roxana de Barbray ce dimanche à Volvega. Tu te vois quoi comme chance avant le coup? Bah, c'est une jument qu'elle a très bien fait l'année dernière. Elle a gagné le tour, donc voilà quoi. Après, je pense que l'entraîneur il va y aller avec des ambitions, évidemment. C'est une bonne course pour elle. Je ne vais pas tirer un super numéro, mais bon, on va faire avec. Hein. Voilà quoi. Tu vas découvrir la jument, tu vas découvrir Volvega. Est-ce que pour toi, c'est un gros désavantage par rapport à tes adversaires? Je pense pas gros désavantage, mais... Faut vite s'habituer quoi. La jument elle connaît parfaitement la piste. Maintenant c'est à moi de m'en sortir du mauvais numéro et de donner un bon parcours. Junior Quidil le 11, je suppose que quand tu as vu le tirage, c'était une bonne nouvelle d'être derrière Kino Oliver. Oui, tout à fait. C'était mieux ça que d'avoir le 16, forcément. Sachant qu'on avait un numéro derrière, donc tant qu'à faire, si ça tombe derrière un bon cheval comme ça et que ce soit pas trop extérieur, c'est encore mieux. Alors, le cheval vient de marcher 11 à Caen-sur-Mer. C'est la preuve qu'il est en forme? Oui, il est au moins aussi bien que l'année dernière. Parce qu'il a marché 12 l'année dernière et cette année, il marche 11 dans la même course, donc c'est qu'il est même mieux. Et de forme, il est bien. Et puis, c'était prévu dans son programme. On l'a emmené. On a essayé de l'emmener fin prêt pour ce tour européen.
Alors justement, quelles sont tes ambitions malgré ce mauvais numéro en deuxième ligne? Mauvais, plus ou moins mauvais. Ouais, non, c'est pas un très bon numéro, c'est sûr, mais on va essayer de finir dans les 5 premiers, ce sera bien, comme ça après on sera prioritaire pour les autres étapes. Et puis comme ça on pourra faire les autres. Sa forme, on l'a gardé esprit un peu fraîche cet été, on l'a économisé, on a fait quelques courses pour la garder en condition, mais pas de plus. Je dirais qu'elle est prête, même s'il n'a pas trop couru. Vous savez, à l'âge qu'elle a, il n'y a pas besoin de courir, faire énormément d'entraînement et de course. Au contraire, je pense qu'il faut essayer de la garder un peu fraîche. Sa condition, elle est en bonne condition. C'est la tenante du titre. Est-ce que pour toi, malgré ce numéro 7, elle est compétitive pour la victoire? Ça va être dur quand même parce que le numéro 8, c'est un très mauvais numéro. Elle a le numéro 7, je pense, ouais. Qu'elle arrive qu'à le numéro 8. De toute façon, sur cette piste-là, c'est très difficile de prendre la tête avec ce numéro-là. Et faire, il y a quand même 2600 mètres, faire 5 virages dehors, c'est compliqué. En plus, il y a pas mal de concurrence cette année. Mais bon, on essaie de faire pour le mieux et surtout attraper des points pour le classement final, c'est ça que ça compte. Alors qu'elle arrive, elle a le numéro 8, est-ce que c'est vraiment trop compliqué ou on peut quand même l'envisager pour une place? C'est la même chose, mais je trouve que là qu'elle arrive par rapport à l'an dernier, c'est beaucoup amélioré, c'est une période, très très bonne période de forme pour elle. J'espère de voir tous les deux parmi les 4-5. Pierre Rudeleyroux, c'est un objectif pour lui ce Tour européen du Trot? Oui, Patrick Martin est assez confiant. En tous les cas, il avait l'intention, lorsqu'il a couru à Enghien cet été, il avait l'intention de faire ce Tour européen parce que c'est un cheval qui prend un peu d'âge, qui n'a pas des courses très faciles en France. Donc il espère que ça soit un peu moins difficile. Il a quand même rencontré les meilleurs chevaux cet été à Enghien. C'est jamais des courses faciles. Est-ce qu'il peut justement retrouver le devant de l'affiche grâce à cette course notamment? Pourquoi pas, il y a toujours un peu d'opposition, hein. Il y a toujours des gens qui se laissent tenter pour ce genre d'épreuve. Mais ça paraît quand même un petit peu moins difficile que tous ces derniers temps où il prenait des 4-5e places parce qu'il était devancé par pratiquement des champions. Quoi. Alors Patrick Martin justement est allé le travailler à la mer, enfin, on a l'impression qu'il a mis des petits plats dans les grands. Est-ce que les ambitions sont et la victoire? Toujours, un peu toujours la victoire, mais déjà si on est dans les trois premiers, on sera très satisfait. Il lui a laissé un petit peu de fraîcheur parce qu'il a quand même couru à répétition cet été. Alors espérons que ça soit bénéfique. Voilà, on a tiré le numéro 2, c'est un très bon numéro. En tous les cas, tous les feux sont ouverts, je pense, pour l'instant. Et le driver, il est chaud? Bah, disons que oui, je pense. Son petit cheval aime bien l'autostart. Et je suis content de mon numéro. Après, il faut un bon dos. C'est un cheval qui est meilleur quand il court caché. Donc, à l'issue d'un bon parcours, je pense qu'il y a une bonne chance à défendre.